La maison Tabatabaye, éditée en 1834 par Saïd Jafar Tabatabaye, riche marchand de tapis. La maison Tabatabaye présente un entrelacs étonnant de motifs gravés dans la pierre, ainsi que des miroirs et des vitraux admirables. Toutes les fenêtres donnent sur la cour principale, protégeant ainsi totalement la demeure des regards. Elle couvre 4 700 m², compte 40 pièces et plus de 200 portes. Comprend trois parties, l'intérieur, réservé aux membres de la famille, l'extérieur, où l'on recevait les invités, et les quartiers des domestiques. Des monuments islamiques de Kashan, la mosquée et madrasa Aga Borzok, se compose d'une belle porte, une cour originale en contrebas, un mirab, deux minarets ornés de carreaux de faïence et de motifs géométriques flanquent le dôme. Les inscriptions coraniques et les carreaux se détachent nettement sur la couleur sable du bâtiment. La splendide porte en bois de l'entrée compterait autant de clous qu'il y a de versets dans le Coran. Thank you.
Zadeh Abou Lolo. En persan, le mot Iman Zadeh désigne les enfants ou petits-enfants des 12 imams chiites et par corrélation, les mausolées construits en leur honneur. On en a recensé plus de 15 000. Jardin Fine. C'est le jardin safavide le plus important d'Iran. Il a été dessiné à l'époque de Shah Abbas Ier, à la fin du XVIe. On y entre par un grand portail ouvert dans une enceinte rectangulaire, entourée d'un mur protégé d'une tour à chacun des quatre angles. Ce jardin illustre la version persane du paradis. Il est parcouru de plusieurs bassins et petits canaux, irrigué à partir d'une source à l'aide d'un système de canaux. Les bains royaux ont été construits en même temps que le reste du jardin. Le sol des bains se trouve un mètre en dessous du niveau du jardin, dans le but de faciliter l'adduction d'eau pour le réservoir d'eau chaude. On trouve également un hammam, celui-là même où Amir Kabir, conseiller du roi, fut assassiné. Dans ce jardin sont plantés un grand nombre de cyprès, l'arbre emblématique de l'Iran.